Voici cas avant un mâle éléphant indien, également connu sous le nom de l'éléphant le plus solitaire du monde. Après la mort de sa partenaire, la solitude a lentement commencé à faire des ravages chez cas avant. Il a perdu le goût de vivre et les conditions d'isolement dans lesquelles l'éléphant était maintenu n'ont fait qu'empirer les choses. Mais comment tout ça a pu lui arriver ? Eh bien, une histoire simple va nous aider à comprendre. Il y a 30 ans, un prisonnier dont je tairai le nom a été placé en isolement à la prison d'État de Pelican Bay, à Crescent City, en Californie. Il n'avait aucun problème psychiatrique avant son enfermement dans cette pièce de 7,50 m, ne comportant rien d'autre que des toilettes, un lavabo et un lit. Le prisonnier a passé plus de 22 heures par jour, pendant plusieurs mois, dans une cellule de béton blanc éclairée par la lueur d'une lampe fluorescente. Au bout de quelques semaines, le psychiatre de la prison a remarqué que le prisonnier ne pouvait pas dormir. Il était hanté par l'envie de se faire du mal. Au cours de l'un de ces épisodes hallucinatoires, le prisonnier a donné plusieurs coups de pied dans la porte de sa cellule et il a déclaré qu'il était visité par des êtres. « Je les vois à travers les murs, le mal noir, disait-il. J'ai peur de mourir. » Un tel comportement est typique de la psyché humaine. Les personnes qui passent plus de 10 jours en isolement souffrent souvent de troubles du sommeil, de crises de panique, d'hallucinations et d'autres répercussions cognitives, émotionnelles et sociales. Mais qu'en est-il des éléphants ? Comme les humains, c'est des animaux sociaux et lorsqu'ils restent seuls, éloignés de tout autre éléphant, ils peuvent connaître des problèmes similaires en raison d'un manque de stimulation cérébrale. Le problème est qu'étudier les conséquences de l'isolement des éléphants est difficile. Ne serait-ce que parce que les éléphants sont énormes et qu'on ne peut pas les faire entrer dans un appareil IRM. Même les rhinocéros peuvent à peine y tenir, bien qu'ils soient plus compacts. Mais on peut tout de même observer des changements chez les éléphants, notamment dans leur comportement. Un exemple illustrant les effets de la solitude est celui d'Asha, une éléphante qui a vécu seule au zoo de Natural Bridge en Virginie pendant 30 de ses 40 années de vie. Les quartiers d'Asha étaient constitués d'une grange et de trois cours extérieures sans végétation ni source d'eau. Non seulement un tel environnement stérile est déprimant, mais il ne stimule pas l'activité et le bien-être de l'animal. Surtout d'un éléphant qui est habitué à parcourir des centaines de kilomètres dans son habitat naturel. Après avoir examiné le comportement de l'éléphante, le vétérinaire a noté qu'Asha se balançait d'avant en arrière, signe d'une maladie articulaire fréquente chez les éléphants en captivité. Asha semblait également manquer de stimulation et elle était détachée, des signes indiquant qu'elle souffrait de la solitude en raison de son isolement. La solitude et l'ennui engendrent un stress chronique qui, à son tour, peut provoquer des changements dans le cerveau qui conduisent à des comportements stéréotypés, des actes répétitifs et apparemment inutiles. Asha, par exemple, se balançait d'avant en arrière. Ce genre de choses s'observe chez les animaux sociaux en captivité, mais c'est extrêmement rare chez ceux qui vivent à l'état sauvage. Laissons là les éléphants. Les singes sont un autre exemple. Ils s'arrachent les cheveux à cause de l'ennui intense causé par le manque de stimulation cérébrale et d'interaction avec d'autres singes ou des humains. De plus, le stress induit par l'isolement active la réaction de combat ou fuite de l'organisme et si elle est active en permanence, ça peut entraîner des lésions des cellules nerveuses de l'hippocampe, une zone du cerveau cruciale pour l'apprentissage et la mémoire. Globalement, les mammifères les plus évolués qu'on contraint à l'isolement réagissent à peu près comme des humains placés dans des conditions similaires. Des exemples des effets néfastes de l'isolement sur les éléphants sont visibles dans le monde entier. Vous vous souvenez de cas avant, l'éléphant au début de la vidéo. Il était autrefois l'attraction vedette du zoo d'Islamabad au Pakistan. Ce zoo, pour parler franchement, héberger les animaux dans des conditions terribles. Cet éléphant a passé 35 ans enchaîné dans un petit enclos tout sec. De plus, comme je l'ai déjà mentionné, son unique partenaire était décédé. Et pas de cause naturelle, mais à cause de la négligence de ses gardiens,
ses chaînes lui avaient donné la gangrène. Un jour, Kaavan a même tué deux gardiens avant de se balancer compulsivement d'avant en arrière toute la journée. Il voulait plus marcher, ou peut-être qu'il en était devenu incapable. La situation était tout simplement catastrophique, jusqu'à ce que l'éléphant soit découvert par Samar Khan, un vétérinaire américain. Il a lancé une campagne sur les réseaux sociaux pour sensibiliser le public à la situation critique de Kaavan. C'était une excellente idée, mais peu de gens auraient prêté attention à un vétérinaire inconnu. Heureusement pour l'éléphant, la chanteuse Cher s'est intéressée à son histoire et elle est immédiatement passée à l'action. Forte de son influence, elle a fait de l'éléphant le plus solitaire du monde un sujet brûlant. Elle a aussi contacté des organisations locales et elle a fait pression pour que Kaavan soit transféré dans une réserve plus adaptée à ses besoins. On a même filmé un documentaire primé relatant cette histoire. Cependant, il arrive que les éléphants refusent de se déplacer pour d'autres raisons, pas parce qu'ils vivent dans de mauvaises conditions ou qu'ils souffrent de lésions cérébrales. En effet, les éléphants sont beaucoup plus complexes qu'on ne le pense, ils sont capables d'empathie et même de chagrin. L'histoire d'une éléphante appelée Damini nous a beaucoup appris sur ses capacités. Damini avait été confisquée à ses anciens propriétaires et placée dans un autre zoo où elle a vécu seule pendant environ 5 mois. Elle a ensuite eu une voisine, une éléphante enceinte nommée Champakali, qui était en quelque sorte en congé de maternité. Les deux éléphantes sont rapidement devenues des amies proches et des compagnes inséparables, ce qui se produit souvent lorsqu'une éléphante plus âgée s'occupe d'une plus jeune pendant sa grossesse. Malheureusement, 6 mois plus tard, Champakali est morte en donnant naissance à un éléphanteau mort-né. Cet événement a eu un impact énorme sur Damini. Elle ne bougeait plus du tout et s'alimentait à peine. L'éléphante a fini par tomber et elle est restée immobile au sol, regardant fixement le personnel qui l'entourait. Pendant 24 jours, elle a refusé de bouger, elle a rapidement perdu du poids et elle a fini par en mourir. On peut dire qu'elle est morte de chagrin. Certes, l'histoire de Damini est unique. Bien qu'il soit émotif, les éléphants ne se laissent normalement pas mourir à cause d'un chagrin d'amour ou parce qu'un ami ou un parent leur manque. Mais ils peuvent avoir du chagrin car ils forment des liens très forts. Même à l'état sauvage, les éléphants refusent parfois de bouger parce qu'ils sont trop tristes, mais pas au point de mourir de faim. En 2013, le caméraman Mark Diebel a suivi une famille d'éléphants au Kenya pendant une période de sécheresse et de famine. Il a ainsi pu observer la mère qui est restée au-dessus de son éléphanteau mort pendant 1 heure en essayant de le remettre sur ses pattes. C'était une scène déchirante. On peut clairement parler de deuil face à un tel comportement. Cependant, quelques heures plus tard, la faim et la soif ont contraint la mère à abandonner le corps de son petit et à poursuivre sa route. C'est comme ça que ça se passe dans la nature. La priorité, c'est de survivre. Dans des conditions plus favorables, avec plus de nourriture et d'eau, le deuil des éléphants peut durer plus longtemps. Les experts connaissent des cas d'éléphants qui sont restés près du corps de membres de leur famille pendant 3 jours et 3 nuits avant de se décider à partir. Une fois, une éléphante nommée Tony a donné naissance à un petit mort-né qu'elle a ensuite défendu des lions pendant 4 jours d'affilée avant de l'abandonner. Une autre histoire de ce genre a été filmée en 2017. Les gardes forestiers d'un parc national avaient trouvé un éléphant avec une patte cassée et ils avaient dû le piquer. C'est triste mais nécessaire, une mort rapide et humaine est préférable car il serait impossible pour un éléphant de survivre avec une telle blessure. Mais ce qui s'est passé ensuite tirerait des larmes à n'importe qui. Les éléphants se sont rassemblés autour de leur ami mort et ils ont refusé de s'éloigner pendant un long moment. Ils se tenaient tous face au corps et un éléphant l'a même caressé avec sa trompe. Bien sûr, tout scientifique sait combien il est dangereux de projeter des sentiments humains sur un animal. Ça complique la recherche et ça mène à des conclusions erronées. Cependant, il serait présomptueux de notre part de penser qu'on est la seule espèce capable de faire son deuil. Les éléphants en sont la preuve vivante.
leurs sentiments sont bien illustrés par leurs liens familiaux qui sont extrêmement forts. Voici une histoire vraie et sacrément triste qui va vous le prouver. Des chercheurs ont un jour fait écouter un enregistrement audio d'une éléphant morte à sa famille dans la nature. Dès que le son est sorti du haut-parleur, les éléphants sont devenus complètement fous. Ils barrissaient et ils regardaient autour d'eux avec anxiété. Après quelque temps, les éléphants ont semblé se calmer, mais la fille de l'éléphante morte a passé plusieurs jours à l'appeler désespérément. Ça a fait réaliser aux chercheurs qu'ils étaient allés trop loin et qu'il ferait mieux de ne pas renouveler l'expérience. L'histoire de Big Tuskless, une matriarche morte de cause naturelle, prouve également que les éléphants ont des liens familiaux forts. Cette éléphante était la chef de son troupeau et après sa mort, les chercheurs ont rapporté sa mâchoire au camp pour déterminer son âge au moment de sa mort. Lorsque la famille d'éléphants est venue au camp quelques semaines plus tard, ils ont reconnu la mâchoire parmi plusieurs dizaines d'autres gisant sur le sol. À la vue de la mâchoire de la matriarche, tous les membres du troupeau se sont arrêtés pour la toucher avec leur trompe et rendre hommage à leur chef bien-aimé, après quoi ils ont poursuivi leur chemin. Cependant, un fils de l'éléphante, âgé de 7 ans, nommé Butch, est resté plus longtemps pour caresser la mâchoire de sa mère avec sa trompe. Comment ne pas l'interpréter comme une manifestation de chagrin et d'affection vis-à-vis d'un membre de sa famille ? Je me demande quand même comment les éléphants ont fait pour reconnaître la mâchoire. Les éléphants procèdent aussi à des sortes de rites funéraires. D'abord, ils ramassent des branches et des feuilles d'arbres et ils s'en servent pour recouvrir le corps de leur ami mort. Dans certains cas, ils utilisent aussi de la terre pour recouvrir les blessures qui ont été infligées à l'animal. Mais oui, on parle bien d'éléphants, pas de primates qui ressemblent tant aux humains. Les éléphants font également tout ce qui est en leur pouvoir pour sauver leurs proches en danger. Une histoire déchirante a été filmée en 2015 par des habitants du district indien de Chhatra. Un éléphanteau était tombé dans un puits et sa mère a passé 11 heures à essayer désespérément de l'en sortir. Mais toutes ses tentatives échouaient à cause de l'humidité importante du sol. L'éléphante creusait avec sa trompe, mais elle ne faisait que faire tomber davantage de boue dans le puits, étouffant presque l'éléphanteau. Finalement, des gens ont remarqué ce qui se passait et ils ont décidé d'aider l'animal en détresse. Ils ont d'abord éloigné la maman éléphant à l'aide de camions. Ils ont ainsi eu le temps de dégager une partie du sable entourant le puits qui empêchait l'éléphante de sortir son petit. Après ça, ils ont laissé la maman éléphant revenir et elle a finalement pu dégager l'éléphanteau. C'est une histoire qui se termine bien. Malheureusement, il arrive trop souvent que des éléphanteaux se retrouvent piégés dans un puits. Les puits sont une source d'eau nécessaire à de nombreuses personnes, mais ils sont souvent assez larges pour qu'un éléphanteau puisse y tomber. Eux aussi ont besoin de boire, et parfois ça se termine mal. Une fois, une maman éléphant qui essayait désespérément de sortir son petit d'un trou de drainage en bordure de route a même fini par s'évanouir. Et elle est aussi tombée dans le trou. L'opération de sauvetage a duré plus de 3 heures sous une pluie battante. Après avoir réussi à extraire l'éléphanteau du puits, les gens ont dû prodiguer des soins médicaux d'urgence à la mère épuisée, notamment un massage cardiaque. Heureusement, dès que l'éléphanteau a couru vers sa mère, celle-ci a immédiatement repris conscience. Il faut savoir que les éléphants sont d'excellents terrassiers et qu'à l'état sauvage, ils utilisent régulièrement leurs défenses, leurs pattes et leurs trompes pour creuser des trous afin d'accéder à l'eau souterraine. Plus tard, ces trous servent de source d'eau non seulement aux éléphants, mais aussi aux autres animaux vivant à proximité. L'important, c'est de ne pas tomber dedans. D'autant qu'une telle chute peut avoir de sérieuses conséquences, telles que des blessures graves. Dans l'immense réserve naturelle de Khao Ang Ruenai, en Thaïlande, des sauveteurs ont réussi à sortir un éléphant d'un trou boueux où il était coincé. L'animal de 5 tonnes était incapable de se lever et de se déplacer en raison d'une blessure qui le faisait boiter. Les vétérinaires ont traité l'éléphant dans la nature pendant des mois, mais sans succès.
Des analyses de sang ont montré que l'animal avait des problèmes musculaires à cause de la blessure. Il restait longtemps allongé et on lui apportait régulièrement de la nourriture et des stimulants pour qu'il refasse le plein d'énergie. Un éléphant gravement blessé est physiquement incapable de marcher normalement et de se déplacer d'un endroit à l'autre. Or, les blessures sont un problème courant pour ces grands mammifères. Bagarres et chutes accidentelles sont la cause de blessures superficielles, mais des plaies plus profondes peuvent donner naissance à des abcès, ce qui est une autre histoire. En général, ces plaies sont causées par des blessures par balles ou des coups de défense et elles nécessitent des soins médicaux. La peau des éléphants est trop dure pour qu'un abcès se rompe de lui-même. Il faut procéder à une incision, retirer le pus et administrer des antibiotiques à l'animal. Et bien sûr, les éléphants aussi peuvent souffrir du grand âge. Ils ont alors souvent du mal à se déplacer à cause de l'arthrite, un trouble articulatoire. L'arthrite fait souffrir les animaux lorsqu'ils marchent trop ou trop vite. Par conséquent, les éléphants âgés restent souvent immobiles pendant de longues périodes, ce qui est dangereux. Ça provoque d'autres maladies et ça facilite les choses aux prédateurs. Ces derniers n'attendent que ça. À plus !